Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des bibliothèques municipales de Chambéry et dans notre mini-série Référence pas à pas. Dans ce premier épisode, je vous explique comment vous connecter. Cette base de recherche permet de chercher des articles dans la presse magazine à partir des critères de votre choix dans tous les domaines de la connaissance. Pour accéder à Référence, il vous faudra être inscrit. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous adresser à l'accueil de la bibliothèque Georges Brassens à Chambéry-le-Haut ou bien au centre-ville à l'accueil de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Cet abonnement est individuel et permet d'obtenir une carte comme celle-ci. Alors, comment faire? Il faut vous rendre sur le site des bibliothèques municipales dont l'adresse est lebouquetdesbibliothèques.fr et vous connecter à la page des bibliothèques municipales de Chambéry. Vous avez dû remarquer, sous le code barre, vous avez des chiffres. Ces chiffres correspondent au numéro d'identifiant qu'il va falloir saisir dans la barre en haut à droite où se trouve l'indication identifiant. Lors de votre abonnement, vous avez également défini un mot de passe. Ce mot de passe, vous allez tout simplement venir le saisir dans la barre mot de passe. Si par exemple, vous aviez oublié ce mot de passe, vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié. Et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez également nous contacter. Nous sommes là pour vous aider, bien sûr. Ce n'est pas mon cas, tout fonctionne. Je vais donc cliquer sur OK. Me voilà connectée au site des bibliothèques municipales de Chambéry. Pour accéder à la base de données référence, vous avez ici un chemin très simple. C'est la barre de menu bleutée. Tout au bout, vous avez d'indiquer ressources en ligne. Vous allez cliquer sur ressources en ligne. Une deuxième barre de menu est proposée où vous avez donc toute l'offre numérique à laquelle vous pouvez accéder. Presse en ligne, auto-formation, presse spécialisée ou bien encore films, musique, jeux vidéo et encyclopédie. L'onglet qui nous intéresse, c'est presse spécialisée. Je vais donc cliquer dessus. En bas, à gauche, vous avez le pavé Index Press Référence. C'est sur ce pavé qu'il faut tout simplement cliquer pour ouvrir la base de données Référence. Ça y est, nous y sommes. Vous voilà prêt pour découvrir cet outil de recherche en autonomie si vous le souhaitez. Et si vous avez besoin d'aide supplémentaire, rendez-vous dans notre épisode 2, Comment chercher un ou des articles. À bientôt !